Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc première vidéo avec Volkswagen Chartres. Donc, ils nous ont prêté aujourd'hui un Volkswagen ID.4 GTX. Et donc, je voulais commencer bien sûr la présentation devant la concession. Donc, on part en essai avec le ID.4 GTX. Allez, on commence du coup l'essai de ce ID.4 GTX. Pourquoi déjà GTX dans un premier temps? Parce que tout simplement c'est la version GTI mais pour les voitures électriques chez Volkswagen. Donc au niveau des dimensions, c'est un SUV qui est plutôt assez imposant, 4,58 m de long, 1,85 m de large pour 1,60 m de haut et 2,149 tonnes au niveau du poids. Bien sûr, c'est une voiture électrique donc avec les batteries, etc. C'est toujours assez lourd. On a une voiture assez bien optionnée aujourd'hui. Je mettrai peut-être les prix en incrustation directement parce que forcément des fois je me souviens plus de tout. Il y en a quand même pour à peu près 10 000 euros d'options sur la voiture là qu'on essaie aujourd'hui, donc on a de la chance. On a les projecteurs à l'avant EQ Light avec les feux intelligents. En fait, vous avez ça, les espèces de petites pupilles là qui bougent comme ça quand vous allumez la voiture, puisque c'est des phares intelligents. La calandre, elle, reste assez simple finalement. On a le gris manganèse avec le toit noir aujourd'hui. Ici, donc, on a une petite calandre en nid d'abeille, puis après pour le reste c'est tout simple, juste les trois anti-brouillards en LED également. On a le pack Design Plus à 1200 euros avec les vitres avant et le pare-brise feuilleté, donc pour plus d'insonorisation dans la voiture, et un grand toit panoramique. Bon, sur les côtés c'est assez simple au niveau des formes, on a juste le logo ici GTX avec les clignotants, de gros rétroviseurs avec ici l'avertisseur quand il y a quelqu'un qui vous dépasse. Après, les poignées sont directement à l'intérieur, donc c'est pas comme la Ioniq qu'on a essayé où les poignées en gros se tirent. Là, c'est simplement comme ça et vous pouvez refermer. Donc, c'est un autre système. Vous avez une petite inscription ici en relief Volkswagen dans le montant de la porte. Et puis, sur la version qu'on essaie aujourd'hui, on a des jantes 20 pouces noires. Donc, voilà. Après, dans la globalité, c'est assez simple. Arrière plus futuriste que l'avant, avec notamment la signature lumineuse ici. Même quand on allume, ça fait, vous voyez, un par un ici. Puis après, même en conduisant, la signature lumineuse est assez jolie. On retrouve le logo Volkswagen en blanc, le logo GTX en noir. Et puis après, ça fait quand même assez imposant au niveau de l'arrière, mais bon, toujours assez simple. Alors, le coffre, lui, il est assisté électriquement. On peut l'ouvrir comme ça, ou alors avec le bouton directement. Donc on a un grand coffre de 543 litres avec un double fond. Donc bien sûr, bah, pour ranger les câbles, le domestique et le normal. Donc bon, ça représente un volume de chargement correct. On a deux, en plus on a des rangements là et là. Et puis au fond, on a la trappe à ski là-bas pour aller au sport d'hiver. Et puis après, pour refermer, vous pouvez faire comme ça, vous mettez avec votre pied. Alors, quelque chose qu'à noter au niveau sécurité, bon, c'est vrai que ça le fait dans toutes les voitures, mais celle-ci, je trouvais que c'était assez bien de le montrer. Quand vous voulez refermer le coffre comme ça, vous voyez, si vous reculez, voilà, vous voyez quand vous vous éloignez, mais si vous revenez, il va se rouvrir automatiquement. Et vous voyez, en fait, il bip pour vous avertir que vous êtes, ben, pour que vous dégagiez, pour que. On commence l'intérieur par l'arrière, bien évidemment. On a ici une porte avec pas mal de noir laqué ici et là, du cuir bleu sur piqué rouge, avec encore un peu de plastique ici avec les enceintes. Dommage que ce soit du plastique dur ici. J'aurais préféré peut-être un petit peu de plastique moussé. On a beaucoup d'espace à l'intérieur, hein, comme à l'image de notre essai sur la IONIQ 5. Beaucoup beaucoup d'espace dans les voitures électriques. On a une super combinaison de céleri avec ici un peu d'alcantara tissu et puis du cuir. Le double porte-gobelet, encore une fois, qui sert également d'accoudoir. On profite bien évidemment sur la version aujourd'hui qu'on a du toit panoramique et on est franchement
super bien installé. On a la climatisation ici en bas, plus le double port USB type C, et on peut régler la clim depuis là. Et enfin, au niveau du rangement, vous en avez dans les portières, et puis on a la petite poche ici en bas du siège. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to... À l'avant, on retrouve la même composition des panneaux de porte qu'à l'arrière avec du noir laqué. Vous avez tout ce qui est pour la gestion des rétroviseurs. Un peu de cuir bleu sur piqué rouge. Encore ici, ah ici c'est du plastique moussé par contre, ça c'est bien. Vous avez là ici pour ouvrir le coffre depuis votre porte directement. Là on a pu, vous savez, le petit bouton typique Volkswagen pour gérer les feux, c'est depuis ici. Et vous avez également pour faire le pare-brise, enfin tout ce qui est au niveau des phares et du dégivrage. Les seuils de porte sont siglés GTX avec ce petit détail en relief là, bien sympathique. On a des sièges massants, donc ça s'appelle Ergo Active ici, réglable électriquement. Je vous mettrai la photo des sièges tout simplement parce qu'ils sont superbes avec voilà, ça fait un peu siège baquet d'un seul tenant. Juste un peu dommage qu'il y ait cet accoudoir là comme ça, je sais pas, je trouve ça fait plutôt je trouve ça va un petit peu moins avec la voiture. Moi perso je préfère être comme ça, ouais, tranquillement. Au niveau du volant ici, bah, c'est les nouveaux volants Volkswagen avec les nouveaux logos. Là on est plus sur du tactile qu'autre chose, vous voyez, juste si on appuie quelque part, par exemple style view, vous voyez. En fait, c'est pas des touches physiques, c'est vraiment du tactile. Il est siglé GTX avec un petit peu de rouge, un petit méplat. Là, on a les Komodo, bah ça change pas par contre. Là, ici au niveau du tableau de bord, bah, c'est un tableau de bord qui est beaucoup plus court, évidemment, puisque le moteur est à l'arrière, c'est une propulsion qu'on a aujourd'hui. Donc, on a beaucoup plus d'espace au niveau des jambes, mais je pense surtout aux passagers ici à ma droite. Là, devant moi, j'ai un petit écran où vous pouvez passer... vous voyez, si je veux partir, c'est comme ça que ça se passe. Juste un peu dommage qu'il soit placé ici, parce que vous voyez au début, quand on ne connaît pas trop la voiture, bah, c'est caché par le volant. Là vous avez toutes vos informations, on le montrera tout à l'heure en conduisant, l'affichage tête haute en 3 dimensions quand vous mettez le GPS. Et là vous avez vos informations de conduite, donc là la voiture elle est quasiment rechargée à plein et elle nous annonce à peu près 322 km d'autonomie. On a déjà roulé 15-20 km avec. On a un superbe écran ici au centre, donc au niveau de la fluidité, ça a l'air d'aller. Vous voyez, on a toutes nos infos depuis la recharge, on peut personnaliser, il y a une ambiance lumineuse aussi à l'intérieur. Bon, ça a l'air d'aller au niveau de la fluidité. Hop, si on se met là-dessus directement, vous pouvez aller là-dessus. On a les sièges chauffants également, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Vous pouvez aller par ici avec le téléphone, vous avez vos médias, votre conso depuis que vous êtes parti. Tout ce qui concerne les données sur le véhicule, avec son statut. Vous avez ici aussi plusieurs choses. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut modifier pas mal de choses, hein. Vous voyez, avec le ID light, la luminosité. Vous pouvez aussi gérer tout l'éclairage intérieur. Voilà, donc au niveau franchement de la fluidité, je trouve ça plutôt pas mal. Vous avez bien sûr, vous voyez, on est rechargé à 77% ici. Et il nous dit recharge optimale recommandée 80%. Là, pareil, en dessous, tout ce qui est là, hop, je reviens juste au centre ici, tout ce qui est là, c'est aussi comme les clignotants, vous voyez, juste du tactile, hein, pas besoin d'appuyer très fort. Vous avez la climatisation ici, un beau double porte-gobelet, ça fait un peu plancher flottant aussi, vous voyez, là je peux passer ma main ici tranquillement. La recharge à induction du téléphone avec deux USB type C, et ici vous avez encore du rangement que vous pouvez un petit peu moduler, hein, si vous n'avez plus envie d'avoir ça par exemple, vous pouvez tout à fait le moduler. Ça se referme de cette manière-là. Vous avez ici les accoudoirs. Les sièges sont réglables électriques aussi de ce côté-là. On peut modifier ça. Et après, c'est vrai que ben, on a beaucoup, beaucoup d'espace finalement ici parce que on peut faire de meilleures choses, j'ai envie de dire, avec la voiture électrique. Et puis voilà, on est bien. On profite toujours du beau toit panoramique.
de cette ID4 GTX. Donc le store se ferme de cette façon là, tout est tactile, comme ça on est tranquille, vous n'avez pas les reflets du toit panneau. Donc au niveau de l'autonomie, là c'est annoncé à 326 km ici juste devant moi, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Sur autoroute c'est un petit peu moins bien, de toute façon comme les autres voitures électriques. Au niveau du freinage, dans un premier temps, je dirais qu'on ressent quand même assez le poids de la voiture quand on freine. On a moins cette sensation, vous savez, d'inertie quand on lâche la pédale d'accélérateur. Par exemple, là, j'accélère. Si je lâche la pédale, j'ai moins cette sensation qu'on avait sur la Ioniq où on était un peu absorbé vers l'avant pour le rechargement des batteries. Bon, au niveau du confort de conduite, en plus, on a le vitrage feuilleté, donc franchement c'est vraiment le top, on est bien, on est confortable. La sellerie est un petit peu ferme, mais ça reste très confortable au niveau de la vision même. C'est assez bien, hein, honnêtement. Voilà, après grand silence dans la voiture, comme je le répète, hein, avec les vitres feuilletées, l'insonorisation est encore meilleure. Là, c'est le pare-brise et les deux vitres avant, vous voyez, là on freine et j'ai un peu plus cette sensation, on va dire, de poids sur la voiture. Mais même au niveau, donc la voiture prend pas tant de roulis que ça, hein. Bon, ça sert à rien de faire du drift avec non plus, mais voilà. Au niveau de l'accélération, par contre, ça c'est assez franc malgré les 2 tonnes 149 de la voiture. Quand on met le pied au plancher, tout à l'heure on fera quelques accélérations, franchement aucun problème. Je pense qu'il faut que cette voiture trouve un public. Il n'y a pas beaucoup de SUV, on va dire 100% électrique. La Ioniq qu'on a essayé la dernière fois, je trouve qu'elle est plus entre une berline et un SUV. Donc là vraiment un SUV complètement électrique comme ça, voilà, il faut quand même aussi que ça trouve son public. Vous voyez, là on tourne un petit peu, on sent qu'on est un petit peu emmené vers la droite, hein. Normal, hein, c'est quand même aussi un SUV, mais après au niveau du comportement de conduite on est très bien. Donc là j'ai mis les régulateurs de vitesse adaptatif, on a un pack d'options, je ne me rappelle plus le nom, je vous le mettrai, avec ce qu'on appelle le EQ Drive, c'est-à-dire la conduite intelligente, où en fait vous voyez qu'on a un petit, il me dit reprendre les contrôles, on a un petit dessin au niveau de la voiture qui s'éloigne devant nous. Tout à l'heure elle était plus proche, donc la voiture était plus proche. On a une conduite semi-autonome qui est assez précise, il faut le dire, je trouve que c'est assez réactif. Donc on a pas mal de choses, vous savez, avec le presence pour l'alerte anti-collision, etc. Vous voyez qu'honnêtement, la voiture s'en sort très bien. Bon, je remets mes mains sur le volant à chaque fois parce que sinon ça va être un petit peu embêtant. Mais là, on est à 110 km/h. Au niveau du bruit, c'est top du top. Hein. Franchement, on est vraiment tranquille. Et vous voyez, au niveau de la conduite, ça se fait vraiment tout seul. Et je le trouve assez précis par rapport à celle-là. On en avait essayé d'autres où c'était un peu plus, on va dire, tremblant, mais là franchement c'est assez précis, c'est super. Donc on a tout ce qui est aide à la conduite, hein, comme d'habitude. Vous voyez, on a même le petit schéma ici qui est assez intéressant. Et puis sinon vous avez les différents modes de conduite qui se situent juste là. Donc faut que j'arrête d'appuyer sur les boutons, par contre ce ne sont pas des boutons, vous voyez que c'est juste du tactile. Voilà, là c'est quand même mieux. Donc là vous avez éco, confort, sport, individual aussi, où vous pouvez gérer plusieurs choses. Hop, je vais faire comme ça, voilà, vous pouvez gérer donc la direction, l'entraînement de la voiture. En fait, il y a plusieurs choses que vous pouvez modifier en mode individuel. Bah voilà, comme dans les Volkswagen qui vous proposent plusieurs trucs. On a aussi les suspensions pilotées. Et là, vous pouvez aussi choisir la rigidité du châssis ici. Je vais me mettre un peu en mode sport, voir ce que ça donne. Hop. On va se mettre un petit peu en mode sport, faire une petite accélération. Donc je me suis mis en mode sport, vous allez voir, donc on a 299 chevaux électriques, regardez un peu. Donc franchement ça envoie du lourd aussi, hein. 299 chevaux électriques comme ça, c'est vraiment super. Et donc là vous avez senti l'accélération, je pense, comme moi, de la voiture. Bon, on va vite se remettre en mode éco pour essayer de perdre la batterie, mais voilà au niveau de l'accélération ce que ça donne. Allez, donc un petit rangement avec la ID4, donc c'est parti. Vous avez la caméra qui s'incline vers le côté où vous braquez. Donc nous on se gare à notre place réservée. Ah, j'ai pas l'habitude avec ça. Voilà, et hop, quand vous repassez la marche avant, vous voyez ce qui se passe ici. Et pareil, la caméra bouge, c'est toujours assez pratique. Vous voyez, ça vous permet d'avoir une bonne vision sur les angles morts et les éventuels poteaux ou bordures qui pourraient nous poser problème. On a les petits bips bien sûr, et puis au niveau de la résolution c'est assez bien, donc ça pas de souci. Vous voyez qu'à l'avant vous avez ça également, vous pouvez voir sans les trucs, voilà.
Donc bonne définition d'image et la caméra 360 à gauche. Au niveau du temps de recharge, donc c'est annoncé à peu près en 30 minutes. Donc c'est plutôt, ça va, la ID4 est plutôt une bonne élève dans l'ensemble. Elle charge en combo CCS jusqu'à 125 kW, donc vous pouvez aisément vous recharger rapidement. Là on est parti manger, on s'est rechargé sur c'était une petite prise, donc bon c'était pas l'idéal, mais vous voyez que sur le GPS ici aussi, on vous met, il y a les bornes disponibles. Et puis jusqu'à combien de kilowatts elle recharge. Après, celle-ci est un petit peu moins d'autonomie que la, par exemple, une pure performance, parce que c'est la version GTX. Donc après, il faudrait peut-être, je pense que une version un petit peu en dessous de celle-ci, donc moins sportive, est peut-être plus adaptée à un grand public, parce que là, au niveau du prix avec option, aujourd'hui, la voiture fait 64 000 euros. Donc elle démarre à 53 000 à 54 000 euros, la GTX, et là donc avec toutes les options qu'on a, c'est 64 000 euros. Donc voilà, les versions inférieures démarrent elles beaucoup, enfin non beaucoup plus bas non, mais elles démarrent en tout cas plus bas. Donc peut-être pour une utilisation quotidienne, on va dire, pas, enfin là on a vraiment tout, peut-être pour une utilisation normale, on privilégiera peut-être une pure ou une pure performance par exemple. Voilà, donc la ID4 démarre aux alentours de 40 000 euros en version de base avec un petit peu moins d'autonomie. Bien sûr, après, pour les performances, c'est plutôt honnête, hein, le 0 à 100 est fait en 6 secondes 2. On sent bien là sur notre version GTX qu'on a pas mal de puissance. Et puis là-dessus, on a aussi pas mal de packs d'options. Je ne les ai pas tous cités, j'ai pas mis tous les prix parce que je ne m'en rappelle plus. C'est un tout petit peu pour moi l'inconvénient quand il y a beaucoup de packs d'options comme ça, c'est qu'à force, on se retrouve avec pas mal d'options à rajouter à la voiture. Ceci étant, certaines sont très utiles au niveau sécurité et puis aide à la conduite. Bon, par exemple, vous voyez, on peut peut-être privilégier le side assist et tout ce qui est conduite semi-autonome par rapport au siège. Voilà, on peut tout à fait avoir les sièges normaux. Donc ce qui est voilà, ce qui peut être bien pour la sécurité. Donc, vous voyez, au début de l'essai, on commençait à avoir une autonomie qui diminuait. Bon là, depuis tout à l'heure, on roule quand même en ville et sur national, donc c'est beaucoup plus entre guillemets facile pour l'ID4. Après, au niveau de l'intérieur, par contre, ça je trouve c'est un petit peu salissant, le noir laqué. J'espère que vous avez une bonne microfibre, parce qu'à chaque sortie, ça c'est sûr, il faut le nettoyer. Donc voilà, mais je trouve, dans la globalité, je trouve le design assez sympa. Après, c'est comme la Ioniq, comme toutes les autres voitures électriques, c'est soit on aime, soit on déteste. C'est pas vraiment, je dirais que les ID chez Volkswagen, voilà, c'est une autre philosophie que par exemple la Ioniq ou que les Tesla, etc. Je vais pas faire de comparatif parce que je trouve que c'est pas forcément très très comparable, déjà parce que pour commencer, je les ai pas mis l'une à côté de l'autre et parce que je les ai pas toutes essayées. Mais en tout cas, après, oui, c'est un prix relativement élevé, 64 000 euros pour une voiture électrique. L'intérieur, moi, je l'aime plutôt bien. C'est pas mal avec ce grand écran et tout ça. Ça reprend bien sûr les Volkswagen d'aujourd'hui. C'est pas non plus le vaisseau spatial, hein, c'est logique. Et pour l'extérieur, bah, c'est le design que Volkswagen a choisi pour les ID, hein, cette forme très épurée, sans rien, on va dire assez carré. Comme ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que peut-être certains s'orientent plutôt plus là-dessus par rapport à une autre voiture? En tout cas, elle est agréable à conduire aussi, hein, voilà, malgré les 2 tonnes qu'elle fait, j'ai trouvé ça plutôt agréable à conduire. Après, c'est vrai que voilà, financièrement, il faut assumer le prix de cette voiture, c'est sûr, c'est sûr. Allez, bien sûr, obligé de faire un petit 0 à 100, on se met en mode sport. Attention, c'est parti. Wouhou! Eh, franchement, 299 chevaux en électrique, on les sent. Et je peux vous dire que même s'il y a 2 tonnes, ça part tout de suite. Donc, et je dirais que c'est même encore plus fort que la Ioniq. Donc bon, bien sûr, ça n'améliore pas notre consommation, qui est hop, je vais aller regarder ça. Comme ça vous donnera une petite indication. Donc depuis qu'on est parti, c'est-à-dire on a fait à peu près 40 km, on a fait 19 kWh au 100. Donc c'est plutôt une bonne consommation, une bonne conso, on va dire. Et sur la longue durée, donc la voiture, 1158 km, 21 kWh. Bon, bah c'est plutôt pas mal.
et on a fait un peu tout au niveau du parcours, au niveau de la puissance de la voiture. C'est assez dommage qu'on puisse pas peut-être faire un peu plus au niveau de la reprise Après, si on accélère, on est franchement, c'est disponible tout de suite et ça envoie vraiment beaucoup. Donc on va freiner un peu pour recharger la batterie. Bon, bien sûr, en mode sport, vous voyez que notre autonomie elle a diminué. En mode confort, on est à plus de 300 km. Là, on est un petit peu en dessous. Donc, hop, je vais partir par là pour vous montrer un petit peu. Attention, c'est reparti. Qu'est-ce que c'est puissant quand même en mode sport, hein, il faut le dire. Hein. Là, franchement, si vous aimez un peu c'est vrai que la sensation de vitesse est toujours assez ouf. Vous avez aussi l'affichage tête haute là-bas, donc quand vous mettez le GPS, ça vous fait comme une image 3D en fait qui suit la route. Donc ça, c'est bien aussi. Vous voyez, si je me décale là, en fin de compte, dans mon affichage, moi j'ai une ligne orange qui clignote et elle se met en 3D. Donc, j'ai vu que la voiture sur les essais était assez critiquée. Pour moi, elle a quand même des atouts à faire valoir dans sa catégorie. Hormis le prix élevé, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses positives sur la voiture. Dites-moi dans les commentaires, encore une fois, ce que vous pensez de la voiture. Donc là, on a la version GTX, mais bien sûr, il y a la version aussi normale. Hein. Il ne faut pas non plus que focaliser sur celle-ci. Donc nous, on arrive à la fin de l'essai sur ce ID4 GTX. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous à la chaîne encore une fois. Et puis vous pouvez faire un petit tour aussi sur les réseaux sociaux. Ça fait un moment, je ne l'ai pas dit, sur Facebook, Instagram et aussi TikTok, ça c'est nouveau. Et moi, je remercie, comme je l'ai fait au début de la vidéo, je remercie beaucoup la concession Volkswagen Chartres de nous avoir prêté cette ID4. Donc ça, voilà, ça présage d'autres essais avec Volkswagen. Donc un grand merci à eux pour une première. C'était une très bonne voiture à essayer. Donc voilà, et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !